Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours aigri. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Pousser. Mais... Aie confiance. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. La pointe du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Ne l'oublie pas, tête. J'y pense à chaque seconde. Ce sont les hommes qui étaient avec Baldur, ses neveux. Oui. Magni et Modi, les fils de Thor. Mer disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir? Ils ne le trouveront jamais. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Si
je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Yeah!
Tu vois, il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Hé, hey, Sindri, regarde ça. Eh bien, on a hâte de dépenser ses économies, on dirait. Je plaisante pas. Il a trouvé votre oncle et a survécu. Peut-être. Notre oncle ne voit plus clair depuis. Allez, au travail. Il n'y a rien qui vous plaît. Très bien. Oh, les vagabonds. Oh, répugnant. Oh, l'odeur. Sans parler du nombre de bestioles là-dessus. Mais, belle armure. Je vais voir si je peux en faire quelque chose d'hygiénique. Pauvre Fafnir. La ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Oh, rien. Je vois. Par où commencer? Marché complet.
ce que tu voudras, jeune homme. Mais c'est à nouveau à toi. J'espère que je ne précipite pas ton départ. Pauvre Fafnir, la ligne est mince entre l'ambition et la cupidité, vous savez. Qu'est-ce qu'on recherche? Et pour le jeune homme? Qu'est-ce qui te manque? Inutile d'acheter une chose dont on n'a pas besoin. C'est ma bébé. Dépêchons, on peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Bon. Toi. Atreus. Rends-toi. Le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? T'occupes du petit, mon frère. Tu n'as pas le temps! Reste derrière moi, Atreus.
Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever. T'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. On dirait que tu n'as pas reçu la vie. Je me sens là, mon Big Bang. Je veux ton deuxième œil! Cherche-toi, petit! Essayez. Tête. Désolé, je sais, je suis allé trop loin. C'est la partie que je voudrais faire. Oh, tu es pitoyant. Maudit, maintenant. Quel est le problème? Arrêtez. Atreus, reste concentré. Ah!
Comment as-tu fait? Tu n'as aucune idée de ce... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh reviens! Ne... Lâche! Ne... Je vais t'arracher la tête! La maladie. La fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus. La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. On devrait le surveiller. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un sceau magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer cette porte maintenant que tu as le burin. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. Je nous ai défendus. Rien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu ?
derrière. Vous avez trouvé quelque chose dans la réserve de Fafnir, comme on est déjà une pierre ici, à aiguiser. Mais comment repartir? Soyez prudents, vous deux. Je n'ai pas l'impression que le petit aille bien. Ça va. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, ne traîne pas. Oui, père. Magni n'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte, pas de traitement aux portes des Lyme. C'est peut-être un signe.
Regardez, on est de retour à la main du géant. Hein ? Quel est cet endroit ? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer. Ça bouge.
Il y a une ouverture. Je peux l'attendre. Il y a un chemin vers la sortie, de l'autre côté. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants, qu'est-ce que tu crois que Mère dirait ? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci.
80 quelque chose là-bas. Là, Atreus. Il y en a un autre. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas ? Viens, Atreus. J'arrive. Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses ? Je sais pas. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous l'avons fait jusque-là. Oui, père. Une Valkyrie ? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Thank you.
Tiens bon, mon frère. Frère, debout, mon frère. Attention, père!
Attention! Attention! Derrière toi! J'arrive tout de suite. Ils ont eu de la chance.
Oh!
Whoa!
Vous m'avez libéré de ma forme corrompue. Vous avez ma reconnaissance éternelle. Mais mes sœurs demeurent prisonnières. Prenez mon home. Trouvez-les. Délivrez-les. Le destin des Valkyries est entre vos mains. Le destin des Valkyries. Ça a l'air très important. C'est le moins qu'on puisse dire, petit. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Bonne question. Difficile à dire. J'en sais plus que la moyenne, quoique une grande partie de leur histoire soit teintée de secrets. Mon expérience avec les Valkyries s'arrête à mon emprisonnement. Ne réponds pas à la question, Ted. Je te l'ai dit, mon frère, c'est compliqué. Je ne sais ni comment, ni pourquoi elles sont devenues ces créatures abjectes. Mais peut-être qu'en en libérant d'autres... Tu voudrais qu'on en apprenne d'autres ? Le destin des Valkyries, je dis. Il n'existe pas d'entreprise plus noble. Ce sera dangereux. Jusque-là, ça ne t'a... Jamais arrêté, si. À la bonne heure. Ugh!
Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non. Je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous son temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. Hé, j'ai un autre service. Qu'est-ce que tu veux, nain? J'ai une nouvelle... Une nouvelle pique? Je vous ai... À l'atelier! J'ai retiré l'anneau de la main d'Anvari dans les mines de Volund. Cette crapule trafique avec les âmes, pratiquer des rituels obscurs et trempée dans des affaires louches. Le simple son de son marteau frappant le métal suffisait à raviver les flammes de ma forge. Oh là, vous feriez bien de partir. Je suis tout émoustillé. Qu'est-ce que j'avais encore?